Je pense que nous sommes de nombreux joueurs à vouloir l'arrivée de la fusion in-game dans le jeu Dragon Ball Legends. Yo tout le monde, ça fait longtemps qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière. Vous allez le voir, j'ai été contacté récemment par l'ESD, l'école supérieure du digital, qui m'ont dit « Sofiane, on regarde tes lives et vidéos et on s'est aperçu que tu aimerais voir la fusion in-game dans le jeu DBL ». J'ai répondu que oui, ils m'ont dit « Eh bien avec nous, ce sera possible ». Et effectivement, ça a été le cas, vous allez pouvoir vous en rendre compte dans cette vidéo juste avant cela. Je vais vous présenter l'ESD plus en détail. Je me suis rendu dans l'une de ces écoles à Paris, car il y en a plusieurs situées en France, Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux, Toulouse. D'ailleurs, vous retrouverez toutes les informations dans la description de cette vidéo et j'ai pu constater des locaux qualitatifs avec une ambiance et une atmosphère vraiment très agréable entre les étudiants et même entre les enseignants. On a plusieurs formations du web design, du web marketing ou encore comment coder un site. Et là, pour le coup, moi, j'y avais été pour du Dragon Ball Legends. Et c'est là où ça devient intéressant, car avec l'école supérieure du digital, on arrive à la fois à allier la passion et la formation. Et du coup, on les fait fusionner. Pour le coup, c'est plutôt pas mal pour la thématique de cette vidéo, car nous aussi, on cherche à fusionner in-game. Et vous allez voir, dans un premier temps, je leur ai demandé de me montrer comment faire pour modifier le menu du jeu. Car on le sait, dans le jeu Dragon Ball Legends, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, des fois, il y a des choses qui sont à revoir en termes de navigation dans le menu, l'ergonomie, etc. Par exemple, je pense à l'arbre de compétences pour Zenkai, un personnage. C'est pas évident, vous voyez, au niveau du noyau, quand on est un nouveau joueur, on est un peu perdu. Là, je vois comme quoi il me manque des armes montantes. Eh bien, si jamais il m'en manque ici, moi j'aimerais cliquer directement ici pour aller en rechercher. Mais ça ne fonctionne pas, on est obligé d'aller dans obtention. Une fois dans obtention, vous baissez la liste, etc. Moi j'aimerais avoir une case ici où je clique et que ça m'emmène directement dans les médailles rares. Eh bien, avec l'école supérieure du digital, ils m'ont montré comment faire. En étant resté une journée auprès d'eux, ils m'ont montré comment recréer Dragon Ball Legends et le modifier. Là, par exemple, vous voyez en accéléré tout ce qu'on a fait pour refaire la pop-up afin d'aller récupérer les fameuses Zenkai de ce Piccolo, car comme j'ai pu vous le dire, c'est pas assez ergonomique et ça manque de simplicité, surtout pour les nouveaux joueurs. Eh bien là, en utilisant le logiciel Figma, on peut simuler ça et regarder si je clique sur le nombre de ressources, ça m'amène bien à la fenêtre pour récupérer des âmes dans les médailles rares. J'ai trouvé ça super intéressant car je suis quelqu'un de curieux et j'aime comprendre et savoir comment on fait aujourd'hui en 2022 pour faire des jeux mobiles comme Dragon Ball Legends. Vu que j'étais bien entouré, j'ai eu des réponses à mes questions et forcément vous en ressortez beaucoup plus instruit. Et du coup j'ai pu me rendre compte que contrairement au schéma de scolarité classique avec les lycées où là forcément t'es étudiant et tu y vas peut-être à reculons parce que tu vas faire de la théorie alors que toi tu as un esprit créatif, artistique, tu as une passion et tu aimerais la mettre en valeur, et bien du coup ce genre d'établissement est fait pour toi, car tu vas être entouré de gens autant passionnés que toi qui vont suivre la même formation que toi et vous allez pouvoir faire des projets en groupe. Donc si vous avez envie de découvrir cet univers, je vous le rappelle, l'école propose un stage de 3 à 4 jours afin de vous faire découvrir les métiers du digital. Si vous êtes lycéen ou même bac plus 1 et que vous êtes perdu un petit peu au niveau orientation, eh bien n'hésitez pas, si ça se trouve, vous allez trouver votre voie grâce à l'ESD. Maintenant, parlons de ce que je vous expliquais en ce début de vidéo. Avoir la possibilité de fusionner in-game, une fusion entre Goku et Vegeta. Par exemple, moi je souhaitais avoir une fusion entre Goku SSJ4 et Vegeta SSJ4 afin d'obtenir le Gogeta SSJ4. Comme vous le savez, c'est la transformation que je préfère, le SSJ4. C'est celle qui se rapproche le plus des origines des Saiyajin, à mon sens. Du moins, c'est la transfo qui me fait kiffer dans l'univers de Dragon Ball. Et bien, avec l'appui et le soutien et l'expertise de l'ESD, c'est devenu possible. Voici ce qu'on a tourné comme gameplay. Regardez bien. On a le Goku SSJ4, mais ici, en dessous le Gogeta, on a un bouton fusion. Donc, au final, l'idée était qu'il fallait perdre de la vie avec le Goku SSJ4 afin ensuite d'appuyer sur le bouton pour avoir une cinématique qui se déclenche au sein même du jeu. Là, voilà, on appuie sur le bouton, Vegeta apparaît, fusion, ensuite, in-game, regardez, voilà, juste comme ça. Et ensuite, vous avez le Gogeta SSJ4 qui apparaît, qui arrive, voilà, il va pop en étant full life. C'est ça qui serait vraiment intéressant au sein même du jeu Dragon Ball Legends. Voilà, hop, hip hop, et là, vas-y, c'est parti, on tape. Donc là, voilà, c'est quelque chose qui peut peut-être paraître banal, mais imaginez-vous ça, in-game, officiellement dans le jeu Dragon Ball Legends. Moi, clairement, je kifferais. Et ça, tout ce qui a été réalisé depuis le début de cette vidéo, que ce soit le menu,
de Piccolo Zenkai dans son arbre de compétences pour aller récupérer des âmes, avec la facilité d'aller très rapidement dans le marché Medaira, mais également la fusion in-game, tout ça c'était en une seule journée. En une seule journée. Imaginez-vous, si vous faites un stage de 3 à 4 jours et que vous voulez partir sur les mêmes idées que moi, mais du coup vous allez pouvoir approfondir la chose, mais en ayant des compétences que vous allez acquérir totalement folles. Vraiment, il y a des possibilités de dingue. Donc voilà, c'est un stage de 3 à 4 jours, comme j'ai pu vous le dire. Dans la France entière, il y a plusieurs villes. Vous pouvez même le faire pendant vos vacances. Donc c'est un stage qu'il faut payer, mais en termes de prix, franchement, ça va entre 50 jusqu'à 65 euros pour 3 à 4 jours. Mais de plus, vous avez un code promo Sofiane qui vous permet d'obtenir moins 50% sur le stage. Ça veut dire que vous allez payer 25 ou 30 euros pour 3 à 4 jours. Attendez, ça ne fait même pas 10 euros la journée. Et vous allez apprendre des compétences que vous aimeriez connaître déjà dès aujourd'hui. Donc je ne sais pas, voilà, s'il y en a, ils ont envie d'apprendre les montages vidéo, eh bien ce sera possible. Si vous avez envie d'apprendre à réaliser des miniatures, ce sera possible. Si vous avez envie d'apprendre à maîtriser des logiciels de montage, ou même, voilà, les logiciels qui sont utilisés pour tout simplement modder votre jeu, même une refonte des guildes. Qui n'a jamais voulu une refonte des guildes au sein même du jeu Dragon Ball Legends? On le voudrait tous. Eh bien là, ce sera possible. Vous pouvez apprendre à faire une refonte des guildes avec un système de chat, etc. Puis comme ça, voilà, vous repartez avec un contenu de votre stage que vous pourrez montrer à vos proches et tout ça. Ou même, tout simplement, par exemple, là, il y a composition des clips et tout. Vous voulez plus voir le Goku, le Vegeta, le Gohan Ultime. On va vous expliquer comment faire pour intégrer, par exemple, je ne sais pas, un Vegeta SSJ4, Gogeta SSJ4 et Goku SSJ4. Voilà. C'est une possibilité. Si jamais vous avez des questions, ils répondront justement à vos questions. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher sur Internet comment faire ci, comment faire ça. Vous avez quelqu'un en face de vous, il va vous répondre. Vous serez à plusieurs, dans une bonne ambiance, et voilà, entre passionnés. Franchement, ce sont des choses qui sont géniales aujourd'hui, en 2022. Clairement, voilà, avoir l'opportunité de pouvoir réaliser ce genre de stage pour les métiers d'avenir, parce que les métiers en tant que développeur, créateur de jeux vidéo, même comme moi, youtubeur, streamer, ce que vous voulez, ce sont les métiers de demain. Et le fait d'avoir l'opportunité de participer à ce genre de formation, c'est énorme. Donc voilà, je sais pas si ça pourra aider des jeunes, parce que clairement, c'est pas qu'une conseillère d'orientation dans des lycées à scolarité classique qui pourront vous aiguiller sur ça. Donc je sais que ça peut être très compliqué. Moi, le premier, à l'époque, quand j'étais plus jeune, voilà, je m'embêtais un petit peu parfois. Je faisais mes cours, je travaillais, tout ça. Mais j'avais un côté créatif, et du coup, je suis content qu'aujourd'hui, voilà, maintenant, je sois sur YouTube, et je suis super satisfait de ce que je fais. Mais le fait d'avoir participé, justement, à une journée à l'ESD, eh bien, j'ai pu apprendre des choses. Et forcément, quand tu vois le cadre, l'ambiance, tu te dis, ah ouais, j'aurais bien voulu être dans un lycée comme ça, moi aussi. Donc voilà, tout ça, c'est à partir du bac plus 1, ou même, voilà, si vous êtes lycéen, étudiant, tout ça, n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site internet ESD, et puis, bah, let's go, quoi, les gars, c'est parti, j'espère que vous allez kiffer, et n'hésitez pas à me faire un retour dans l'espace commentaire, me dire, ah, c'est bon, je me suis inscrit, ou même, tout simplement, me faire un retour après votre stage, pour me dire, franchement, j'ai bien kiffé, j'ai appris ci, j'ai appris ça, et tout ça, voilà, les amis, comme d'habitude, max de pouces bleus sur cette vidéo, en mode Genkidama, je compte sur vous pour le soutien, et n'hésitez pas également à partager à vos proches, abonne-toi à la chaîne aussi, si ce n'est pas déjà fait, en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après la priorité. Ciao! Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super!